Shalom à tous, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu surabonde dans votre vie, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous arrose, qu'il vous visite, que le Seigneur vous sécurise, qu'il vous défende dans vos combats. Je prie que ce programme de ce soir, ce direct de ce jour, soit un moment de rencontre pour toi avec le Seigneur. Que Dieu te rencontre, qu'il travaille dans ta vie. Que le Seigneur accomplisse quelque chose de miraculeux. Je prie et je m'attends à un témoignage majeur dans ta vie, à quelque chose de costaud, à quelque chose de lourd, venant du Saint-Esprit et se manifestant pour toi. Que le Seigneur te visite pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Que le Seigneur te touche pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Que son onction touche ta vie, touche ta destinée, touche tout ce qui est à toi, tout ce qui te concerne, et que Dieu te fasse du bien. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour s'intitule « Goliath, je n'ai pas peur de toi ». Goliath, je n'ai pas peur de toi. Prends ta Bible dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Et nous allons, au fur et à mesure, travailler avec les autres versets qui nous intéressent. 1 Samuel chapitre 1, chapitre 17 du moins, verset 1 à 11. La Bible dit « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre ». Et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore : Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous prions, Père, je te rends grâce, je te recommande ce temps. Nous sommes devant toi pour entendre tes paroles, pour recevoir de toi une visitation et une touche divine. Manifeste ta gloire dans notre vie, guéris ceux qui ont besoin d'être guéris, sauve ceux qui sont perdus, libère les opprimés et les captifs, console ceux qui ont le cœur brisé, annonce la bonne nouvelle aux pauvres et publie une année de grâce. Manifeste-toi, démontre que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc,
Dieu te bénisse. Donc, le thème sur lequel je prêche brièvement ce jour s'intitule « Goliath, je n'ai pas peur de toi ». Donc, la Bible dit clairement, dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, du verset 1 au verset 11, qu'il y avait une bataille, une guerre qui allait avoir lieu entre les Philistins et les Israélites. Et pendant que les deux armées se sont positionnées d'un côté et de l'autre d'une vallée, ce qui se passe, c'est que au lieu que les deux armées s'engagent pour se battre, un homme est sorti du côté des Philistins et cet homme s'appelait Gat. Et cet homme du moins s'appelait Goliath. Il était de Gat, du côté des Philistins. Et cet homme-là, Goliath, qui mesurait 2,90 m environ, quand on vous dit 6 coudées, 1 en pan, ça fait 2,90 m environ. Cet homme était gaillard, cet homme était costaud, cet homme était impressionnant. Il avait un casque de bronze et puis sa cuirasse était à écailles, elle pesait 57 kg, sa lance faisait 7 kg. Donc, il est sorti et il a commencé à menacer le peuple d'Israël, et à l'armée d'Israël du moins. Et il dit à l'armée d'Israël que moi, je suis un seul homme, vous êtes des esclaves de Saül. Faites venir un homme qui va se battre avec moi. Si cet homme-là arrive à me tuer, nous vous servirons, nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi qui le tue, vous nous serez assujettis. Et la Bible dit malheureusement, verset 11, que Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. L'objectif de Goliath, ce n'était même pas de se battre, mais l'objectif de Goliath, c'était d'effrayer, c'était de faire peur à l'armée d'Israël, c'était de faire peur aux soldats d'Israël, c'était de faire peur au peuple d'Israël. Goliath était quelqu'un qui tchatchait, Goliath était quelqu'un qui parlait. Sache une chose, c'est que le nom de Goliath signifie exilé. Goliath était un exilé qui cherchait à conquérir le territoire qui appartenait à quelqu'un d'autre. La Bible dit au verset 1 de 1 Samuel chapitre 17, quand ils se sont rassemblés pour faire la guerre, ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka. Vous comprenez, les Philistins étaient même sur un territoire qui appartenait à la tribu de Juda. Donc, il y avait déjà eu un premier vol de quelque chose qui appartenait aux Israélites. Maintenant, ils voulaient encore prendre le territoire même où se trouvaient les Juifs. Et Goliath, son rôle, c'était de venir effrayer au maximum les Juifs, effrayer au maximum les enfants d'Israël, afin de les faire reculer, afin de les faire fuir, pour pouvoir posséder ce qui était à eux. Goliath n'est pas un guerrier. Goliath n'est pas un combattant. Goliath est quelqu'un qui effraie. Goliath est quelqu'un dont la force et la puissance se trouvent dans son apparence. Mais si quelqu'un le confronte, si quelqu'un l'affronte, si quelqu'un se bat contre lui, cette personne peut le détruire. Cette personne peut le faire tomber. Goliath venait juste pour effrayer Saül, pour effrayer l'armée d'Israël. Mais à la base, Goliath même n'a jamais combattu. Vous lisez toute l'histoire. Vous lisez tout le chapitre 17. Vous lisez jusqu'au chapitre après la mort de Goliath. Avant qu'on ne parle de lui, il n'a jamais combattu contre qui que ce soit. La seule chose que Goliath savait faire, c'était de parler. La seule chose que Goliath savait faire, c'était d'impressionner. Et l'objectif ici, c'était de faire peur à Saül, c'était de faire peur à l'armée d'Israël. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas peur de toi, Goliath. Parce que son but, c'est d'effrayer. Goliath, c'est l'esprit. Goliath, c'est la pensée. Goliath, c'est cette voix qui, en ton intérieur, te dit que tu ne peux pas faire telle chose. Quand tu prends une décision, tu dis, par exemple, je vais commencer à marcher sérieusement avec le Seigneur. Je vais commencer à marcher dans la sainteté. Il y a une voix en toi qui viendra te dire que les autres peuvent le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Goliath, c'est cette voix-là qui vient pour t'effrayer, qui vient pour te faire croire que toi aussi, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. Goliath, c'est cette voix-là. Lorsque tu dis, je vais reprendre mes études, lorsque tu dis, je vais bosser dur, lorsque tu dis, je vais passer tel concours, lorsque tu dis, je vais me consacrer à Dieu, je vais me lever dans la prière, je vais me lever dans le jeûne, je vais commencer à payer ma dîme à Dieu, je vais commencer à faire mes offrandes à Dieu, je vais commencer à me séparer de l'alcool,
l'alcoolisme, va me séparer de tel ou de tel péché. Il y a une voix, il y a quelqu'un qui viendra te dire que tu ne peux pas. Faisant passer ce que tu veux faire comme une montagne insurmontable. Goliath vient pour effrayer, bien aimé. Goliath vient pour faire peur. Goliath, à la base, il ne peut rien te faire. C'est pourquoi je lui dis en ce jour, et comme j'ai commencé à dire depuis la dernière fois, que je parlerai désormais à la première personne du singulier, afin que tu puisses commencer à prier avec moi quand je suis en train de te prêcher. Goliath veut te faire peur, mais Goliath ne réussira pas à me faire peur. Goliath veut effrayer, mais Goliath ne réussira pas à m'effrayer. C'est pourquoi je lui dis, je n'ai pas peur de toi. C'est pourquoi je lui dis, je n'ai pas peur de toi. La seule force de Goliath, la seule renommée de Goliath se trouve dans sa capacité à effrayer. Regarde le verset 11. La Bible dit que lorsque ils entendirent les paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 24 de 1 Samuel chapitre 17. La même chose. La Bible dit 1 Samuel chapitre 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, ce qui les effraie d'abord, ce sont ses paroles. Après ses paroles, son apparence. Mais ils ne l'ont jamais vu combattre. Ce qui est en train de t'effrayer là, ce qui est en train de te faire peur, et qui te fait croire que tu ne peux pas te marier, qui te fait croire que tu ne peux pas sortir de tel ou de tel péché, qui te fait croire que tu ne peux pas avoir tel ou tel diplôme, qui te fait croire que tu ne peux pas dépasser le niveau de ton père, le niveau dans le bien, le niveau de ta mère, que tu ne peux pas faire mieux que ceux qui t'ont précédé, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta carrière de musique, dans ta carrière sportive, dans peu importe, que tu ne peux pas avoir un meilleur salaire que ceux qui sont là, que tu ne peux pas être milliardaire. Cet esprit là, cette pensée là, cette personne là qui fait chaque fois passer les choses que tu veux faire comme des montagnes indéplaçables, comme des montagnes insurmontables, c'est Goliath. Goliath vient pour effrayer, mais Goliath n'est pas un combattant. Il vient pour te faire peur. C'est pourquoi je lui dis aujourd'hui, Goliath, je n'ai pas peur de toi. Quel que soit ce que tu vas dire, je n'ai pas peur de toi. Saül a été effrayé. L'armée d'Israël a été effrayée. Mais ils n'ont pas affronté Goliath. Ils ont juste été effrayés et ils ont reculé. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Dieu ne veut pas que tu trembles. La situation devant laquelle tu es et qui t'effraie ne doit pas t'effrayer. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, dans lequel tu te trouves et qui t'effraie ne doit pas t'effrayer. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Dieu ne veut pas que tu trembles. Dieu ne veut pas que tu recules. Parce que le but de Goliath, c'est justement de t'effrayer. Mais je lui réponds ce jour, je n'ai pas peur de toi. Je ne tremblerai pas devant toi. Je ne reculerai pas devant toi. Et je n'abandonnerai pas mes rêves. Je te détruis par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, écoute-moi bien. La peur peut tuer le miracle de Dieu. La peur peut tuer le miracle de Dieu. Ta capacité réside dans le fait que tu n'as pas peur. Écoute-moi. En Matthieu chapitre 14, à partir du verset 26, Matthieu chapitre 14, d'abord verset 23, Jésus a fini de prier, ensuite il allait à 3h du matin, il a commencé à marcher sur l'eau. À partir du verset 26, la Bible dit que ses disciples l'ont vu. Quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit c'est un fantôme. La Bible dit poussait des cris et de frayeur. Ils poussaient des cris de frayeur. Ils eurent peur. Jésus leur a dit, c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Dieu ne veut pas que tu aies peur, quel que soit ce que tes yeux voient. Quel que soit ce que tes oreilles entendent, Dieu ne veut pas que tu aies peur. Il dit, c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Écoute-moi, quand Jésus a fini de dire à Matthieu 14, n'est-ce pas, à partir du verset 26, il dit à ses disciples, c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. La Bible dit que Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi, et vers toi, sur la mer. Et Jésus dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. C'est ce que la Bible nous dit. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. À partir du verset 28, Pierre a commencé à marcher sur l'eau et il allait vers Jésus. Mais la Bible dit, lorsqu'il vit que le vent était fort, il eut peur et il a commencé à couler. Donc Pierre a commencé à couler parce qu'il a eu peur. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de couler parce qu'elles ont peur. À cause
cause de la peur, tu es en train de couler. Beaucoup de personnes sont en train d'abandonner, de se relâcher dans les affaires, de se relâcher dans leurs études, de se relâcher dans leur foyer, de se relâcher dans leur travail, de se relâcher dans leur ministère. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Peur de ce qui est devant, de ce qui est autour. Pierre a eu peur parce que le vent était fort. Mais il y a une chose que moi j'ai remarqué dans ce passage de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 26. La Bible dit au verset 28 que Pierre a eu peur parce que le vent était fort. Et pourtant, c'est au milieu de ce même vent-là que Jésus était debout. C'est au milieu de ce même vent-là que Jésus était arrêté. Jésus n'a pas eu peur du vent. C'est pourquoi il était debout, il était encore arrêté sur l'eau. Pierre qui a commencé à marcher vers Jésus, a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur du vent. Le diable a envoyé le vent qui ne pouvait pas faire du mal à Pierre, mais qui venait uniquement pour l'effrayer, qui venait uniquement pour lui faire peur. Il y a des choses qui se passent autour de toi et à cause desquelles tu abandonnes tes bonnes résolutions, à cause desquelles tu abandonnes tes bonnes décisions. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces choses qui se passent autour de toi ne peuvent pas te détruire, elles ne peuvent pas te casser, elles ne peuvent pas t'atteindre, elles ne peuvent pas te briser. Leur objectif, c'est de te faire peur. Leur objectif, c'est de t'effrayer. Leur objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses avoir peur, que tu puisses t'enfoncer. Le vent qui soufflait là où Pierre a commencé à marcher ne pouvait pas tuer Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Mais Pierre s'est enfoncé parce qu'il a eu peur. C'est la peur de Pierre qui a donné de la force au vent. Sinon, le vent lui-même n'est rien. C'est comme ça que Goliath est. C'est comme ça que l'esprit de Goliath est. Les esprits qui viennent t'attaquer quand tu dors, en fait, ils ne sont rien. S'ils sont quelque chose, ils viendront t'attaquer pendant le jour. Là où tes yeux sont clairs, là où tu les vois. Mais ils viennent t'attaquer pendant que tu dors. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui, à la base, ne peuvent rien te faire. Ils viennent quand ils estiment que tu es faible. Tu ne dois pas avoir peur d'eux. Les pensées qui viennent dans ton esprit quand tu prends de bonnes décisions. À partir d'aujourd'hui, je marcherai de telle manière. À partir d'aujourd'hui, je m'attacherai à mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de ma femme. Je m'occuperai de mon mari. Je m'occuperai de mes enfants. À partir d'aujourd'hui, je me concentrerai sur ma carrière, sur ma vie chrétienne. À partir d'aujourd'hui, je paierai ma dîme à Dieu. Je ferai des offrandes à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la vérité, dans la sainteté, dans l'honnêteté. Tu prends cette résolution. Une voix viendra te dire, tu ne peux pas faire ça. Ou bien tu vas commencer comme Pierre a commencé. Et quand tu es bien engagé, la voix viendra te dire fortement, tu ne peux pas réussir à te sanctifier. Tu ne peux pas réussir à marcher de telle manière. Tu ne peux pas réussir à vivre de telle manière. Je suis là aujourd'hui de la part du Seigneur pour te dire que Goliath veut t'effrayer. Mais dis-lui à Goliath, je n'ai pas peur de toi. 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 Dis-lui que le monde des ténèbres entende ta voix. Que le monde des ténèbres entende ta voix. Goliath, je n'ai pas peur de toi. Je ne tremble pas devant toi. Ce que j'ai décidé de faire, j'irai jusqu'au bout. Ce que j'ai décidé de faire, j'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas peur de toi. Dis-lui à Goliath, je n'ai pas peur de toi. Tu ne m'effraies pas. Le vent fort a effrayé Pierre, mais moi, cela ne me ferait pas. Goliath a effrayé Saül, mais moi, tu ne me ferais pas. Goliath a fait peur à l'armée d'Israël, mais moi, tu ne me fais pas peur. Les bonnes résolutions que j'ai prises, j'irai jusqu'au bout. Ce diplôme-là, je vais l'obtenir. Ce concours-là, je vais le passer. Ce ministère-là, je le remplirai dignement. Je me marierai. Je serai un bon mari. Je me marierai. Je serai une bonne épouse. Goliath, tu ne me fais pas peur. C'est moi qui te ferai reculer. Toi, tu ne me feras pas reculer. Toi, tu ne me feras pas fuir. J'ai décidé d'abandonner tel caractère. Et tu veux me faire croire que je ne peux pas abandonner tel caractère. Tu es un menteur, Goliath. Tu es un menteur, Goliath. Je n'ai pas peur de toi. Dis-lui en ce jour, Goliath, je n'ai pas peur de toi. Amarabazakata. Frère, écoute-moi attentivement. Goliath, c'est un plaisantin. Il ne peut pas faire quelque chose. J'ai lu la Bible, je n'ai pas vu un seul combat de Goliath. Le seul combat que Goliath a combattu, c'était contre David, qui n'était pas soldat, et il a perdu. C'était contre David qui n'était pas soldat, et il a perdu. Et après, Goliath avait deux autres frères, sinon trois autres frères. En 2 Samuel
chapitre 21, à partir du verset 16. Goliath, à partir du verset 16. Vous voyez que l'armée de David est allée combattre les Philistins. Goliath avait trois autres frères. Les trois ont été tués par les Israélites. Les trois ont été tués. Le troisième, il avait même six doigts. 2 Samuel chapitre 21, à partir du verset 16. Le troisième, il avait six doigts. À chaque main, 6, 6. Et puis à chaque orteil, il avait 6 orteils, 6 orteils. 24 en tout. Et il a fait la même chose que son grand frère que David avait tué. Il est sorti là défier Israël. Et Jonathan, un des hommes forts de David, s'est levé et l'a tué. Et ce sont des bavards. L'esprit qui te dit que tu ne peux pas être une bonne épouse, c'est un menteur. Dis-lui, tu n'as pas peur de lui. Écoute-moi. Ne pas avoir peur est important. Parce que quand tu crains, quand tu trembles, tu peux rater ton miracle. Dans Luc chapitre 21, c'est pourquoi en Matthieu 14, verset 26 à 30 que je vous ai cité, Jésus a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, soyez rassurés, c'est moi. Et c'est parce que Pierre a eu peur qu'il a coulé. C'est pas parce que Jésus n'était pas là, mais c'est parce qu'il a eu peur qu'il a coulé. Luc chapitre 1, verset 13, lorsque Gabriel a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle à Zacharie, à ce qui concerne le fait qu'il allait maintenant avoir un enfant et que sa prière était exaucée, Gabriel a commencé sa phrase en disant à Zacharie, ne crains point. Aya magadabra. Ne crains point. En Luc chapitre 1, verset 30, le même Gabriel, 6 mois plus tard, il est envoyé pour dire à Marie qu'elle était choisie par Dieu pour porter dans son sein le Messie. L'une des phrases que Gabriel a dites à Marie, au verset 30, il dit, ne crains point. Parce que la peur, la crainte peut te faire rater ton miracle. La crainte peut te faire rater ton miracle. Tu n'as pas à avoir peur du mariage. Il y a des gens qui ne sont pas mariés. Pas parce qu'il n'y a pas de prétendant pour les marier, des femmes, des soeurs qui ne sont pas mariées. Pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut les marier. Mais ils ont peur de se marier. Il y a des frères qui ont peur de se marier. D'autres ont peur de reprendre les études. Ils ont peur d'étudier. Ils tremblent devant tel diplôme. C'est Goliath qui te parle dans ta tête. Cette voix qui te dit que tu ne peux pas le faire. Tu veux arrêter tel caractère, arrêter telle attitude. S'il y a une voix qui vient te dire, tu ne peux pas. Qui te fait croire que ce caractère-là, c'est toi, c'est ta personne. Alors que cela est en train de te détruire. Dis-lui aujourd'hui, Goliath, je n'ai pas peur de toi. Gabriel a dit ça à Marie. Ne crains point. Chaque fois. Ne crains point. En Matthieu 10, verset 28, Jésus a dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Ne craignez pas. Celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme, ne le craignez pas. Chaque fois, c'était important. En Matthieu 28, à la résurrection du Seigneur, Matthieu 28, verset 5, Matthieu 28, verset 10, la même phrase est sortie. L'ange qui est descendu sur la pierre et qui a roulé la pierre de devant le tombeau de Jésus. Cet ange-là, quand il a vu Marie, il a vu Marie de Magdala, Marthe, toutes les femmes qui étaient là, au verset 5 de Matthieu 28, il dit, pour vous, ne craignez point. Et après, il leur a annoncé que Jésus est ressuscité. Pour vous, ne craignez point. Et au verset 10 de Matthieu chapitre 28, lorsque le Seigneur lui-même est apparu à ces femmes-là, ses fils spirituels, il leur a dit aussi la même chose que l'ange. Ne craignez point. Dieu m'a envoyé en ce jour pour te dire ne crains pas. Ayakata. Ne crains pas le mariage. Ne crains pas les études. Ne crains pas ce diplôme-là. Ne crains pas ce concours-là. Ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas le ministère. Ne sois pas effrayé devant l'œuvre de Dieu. Ne sois pas effrayé par l'évangélisation. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te dit que tu ne peux pas évangéliser. C'est Goliath qui te dit ça. Parce qu'il veut t'effrayer. Parce qu'il veut t'effrayer. Ne crains point. C'est ce que le Seigneur veut que tu aies peur. Ne crains point. N'aie pas peur. Ok. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. En Deutéronome chapitre 20, verset 1, la Bible à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 1. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit aux Juifs, lorsque tu iras en guerre, et que tu verras devant toi, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras devant toi une armée nombreuse
et des chars, des chevaux, un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Avant même de commencer la guerre, Dieu leur dit d'avance de ne pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Le monde dans lequel nous sommes, si tu as peur, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée prophétique. Tu ne pourras pas posséder ce que Dieu te donne. Ne crains point. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui qui te fraye tant? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui qui te fait si trembler? Dieu m'envoie pour te dire, n'aie pas peur. Deutéronome chapitre 20, au verset 2, il dit, à l'approche du... D'abord au verset 1, il finit en disant, car l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. Au verset 2, il dit, à l'approche du combat, écoute bien, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas devant eux. Tu ne peux pas vaincre un ennemi qui t'effraie. Ah, dis à Goliath, je n'ai pas peur de toi. Tu ne pourras jamais vaincre un ennemi qui t'effraie. N'aie pas peur. Tu ne peux pas vaincre quelque chose qui t'effraie. Tu ne peux pas vaincre une chose qui te fait peur. Tu ne peux pas vaincre une chose devant laquelle tu t'épouvantes. C'est pourquoi Dieu te dit non. Tu ne dois pas avoir peur. Goliath est l'esprit que le diable envoie, qui n'est pas capable de te détruire. Que si tu affrontes, tu peux ébranler. Si tu affrontes Goliath, tu peux le faire tomber. Mais l'impression qu'il te donne, l'apparence qu'il a, les mots qu'il utilise, font trembler. C'est pourquoi en 1 Samuel 17, verset 11, la Bible dit, quand ils ont entendu ces paroles, ils ont eu peur. Et au verset 24, la Bible dit, quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Donc, Goliath, sa force se trouve dans ce qu'il dit, dans sa catch. Et deuxièmement, sa force se trouve dans son apparence. Mais je suis là, Yamada, de la part du Saint-Esprit, pour que tu puisses dire à Goliath, je n'ai pas peur de toi. Tu peux devenir grand homme d'affaires, mon frère. Tu peux devenir une grande femme d'affaires, ma soeur. Tu peux devenir une bonne épouse. Tu peux devenir un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu. Tout ce que le diable est en train de te faire croire, qui t'est inaccessible à la vérité, c'est ce que Dieu te donne. Ok, laisse-moi te montrer ceci. La Bible dit au verset 1 de 1 Samuel chapitre 17. J'espère que quelqu'un est en train de suivre ce message. 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit ceci, écoute-moi rapidement. La Bible dit ceci, que les Philistins se réunissent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Soko appartenait à Juda, l'une des tribus d'Israël. Les Philistins occupaient ce territoire. Saül voulait récupérer ce que les Philistins leur avaient volé. Maintenant, les Philistins venaient encore faire la guerre contre eux pour pouvoir leur arracher ce qu'ils avaient. Donc, quand Goliath t'effraie pour te dire que tu ne peux pas te marier, il veut te voler. Il veut voler la place de ton mari. C'est ça le mari de nuit. Il veut voler la place de ta femme. C'est ça la femme de la place de ton mari. C'est la femme de nuit. Il veut voler la place de ta femme. C'est le mari de nuit. Quand Goliath te dit ce travail-là, toi tu ne peux pas l'avoir. Tu penses qu'il veut quoi? Il veut reprendre, il veut prendre le travail à ta place. Ici, il s'agit pour toi, non seulement de préserver et de protéger ce que Dieu t'a déjà donné, et d'aller récupérer ce qui t'a été volé. Soko appartenait à la tribu de Juda, donc à Israël. Soko ne devait pas être occupé par les Philistins. Mais ils y étaient. Tu as des bénédictions qui sont dans le camp des sorciers. Tu dois aller chercher ça, Aya. Tu as des bénédictions qui sont chez la sirène des eaux. Tu dois aller chercher ça. Tu as des miracles qui sont chez des féticheurs. Qui sont chez des féticheuses. Où les gens ont mis ton nom. Tu dois aller les chercher. Tu as des percées qui sont dans le camp de l'ennemi. Tu dois aller les prendre. Mais comme Satan sait que tu as pris conscience de la situation et que tu as pris la décision de récupérer ce qui est à toi, alors il envoie Goliath pour t'effrayer,
comment tu peux récupérer tes bénédictions? C'est au travers de la prière, c'est au travers du jeûne, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est au travers des dîmes et des offrandes, des actions prophétiques que tu poses. Donc il vient te faire croire que tu ne peux pas prier. Il vient te faire croire que tu ne peux pas jeûner. Il vient te faire croire que la parole de Dieu est trop difficile pour toi. Les autres peuvent la connaître, toi tu ne peux pas la connaître. Que quand tu entends d'autres réciter la Bible, citer les versets sans regarder dans la Bible, et ils peuvent le faire, mais toi tu ne peux pas le faire. Tu veux te réveiller pour prier, ils veulent t'endormir. Tu veux commencer à jeûner, ils te donnent la faim que tu n'as jamais eue. Ils te distraient, parce qu'ils savent que tu veux récupérer ce qui est à toi. Mais aujourd'hui, je dis à Goliath, tu es un plaisantin, je n'ai pas peur de toi. Et tout ce qui est à moi, qui est dans le camp de l'ennemi, j'irai le chercher. Et je m'en vais le chercher. Non seulement je m'en vais chercher ce qui est à moi, mais je préserve, je garde et je protège ce que je possède déjà. Le divorce ne m'arrachera pas ma femme. Le divorce ne m'arrachera pas mon mari. Le divorce ne me fera pas perdre mes enfants. La mort prématurée ne me fera perdre ni ma femme, ni mes enfants, ni moi-même ma propre vie. Le chômage ne me fera pas perdre mon travail. Rien dans ce monde ne me fera perdre ce que Dieu m'a donné. Et je vais prendre ce qui m'avait déjà été donné, mais que le diable avait volé. Goliath, tu ne me fais pas peur. Je passerai sur ton corps et je récupérerai ce qui est à moi. Je prendrai ce qui est à moi. Je prendrai ce qui est à moi. Les possessions qui sont à moi, que tu as volées, qui sont dans ton corps. Aujourd'hui, je me lève au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et je vais récupérer ce qui est à moi. Le mariage qui est à moi, qui est dans ton camp, je vais le récupérer. Les affaires prospères qui sont dans ton camp, je vais les récupérer. Mon territoire, mon terrain, mon temple, ma maison, mes voitures, mes sociétés, mon ministère, mon église, ma santé, mes enfants, tout ce qui est à moi, que tu as bloqué, comme si cela t'appartenait. Goliath, je t'affronte. Je vais chercher ce qui est à moi. Je le prends et personne ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui, parle. Je parle à la première personne pour que tu puisses participer à la prière. Déclare cela. Va récupérer ce qui est à toi. Va chercher. Déclare cela. Kabarabalaze takarabatunta et kente balaske. Goliath, c'est un plaisantin. Je t'ai dit, son nom signifie exilé. Il n'a rien. Il n'a rien. Il veut prendre ce qui n'est pas lui. Ne le laisse pas prendre ce qui n'est pas lui. Il t'empêche de prier. Parce que tout ce que tu vas recevoir par la prière, il veut récupérer. Il t'empêche de jeûner. Parce que les percées que Dieu va commencer à déclencher dans ta vie, quand tu vas jeûner, il veut récupérer. Il t'empêche d'étudier la Bible. Il te décourage. Il te dit c'est compliqué, tu as oublié tel verset, tu ne te souviens pas, ce n'est pas la peine, laisse tomber. Alors que tu avais bien commencé, il veut récupérer, il sait ce qui est dedans. Il veut récupérer. Il sait ce qui est dedans. Il veut récupérer. Ne le laisse pas prendre. Tu as décidé de payer ta dîme. Il sait ce qui est dedans. Il vient te décourager. Il veut récupérer ta bénédiction. Ne le laisse pas. Aïe, 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 aïe. Goliath, je ne te laisserai plus prendre ce qui est à moi. Aïe, kataba. J'ai décidé de prier, je vais prier. J'ai décidé de jeûner, je vais jeûner. J'ai décidé de lire, d'étudier la Bible. Je vais lire, je vais étudier la Bible. J'ai décidé de devenir honnête, je serai honnête. J'ai décidé de ne plus jamais me laisser prendre par le piège de la promptitude et la colère. Cela ne m'arrivera plus. Les querelles ne seront plus citées dans ma vie. La grossièreté ne sera plus citée dans ma vie. Goliath, l'impudicité, l'adultère, la pornographie, la masturbation, l'idolâtrie, toutes les choses semblables, l'incrédulité, toutes ces choses-là, la malhonnêteté, la fraude par lesquelles tu es en train de sucer mon lait et mon miel en me faisant croire que tu es plus fort que moi. Aujourd'hui, ces choses disparaissent de ma vie et tu ne me décourageras plus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je te consume par le feu, Goliath. 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 Je n'ai pas peur de toi. Je t'affronte et je te détruis au nom de Jésus.
maintenant, tu vas me demander, ah, évangéliste, comment est-ce que je peux faire tomber, comment est-ce que je peux vaincre Goliath? Je vais te montrer deux choses rapidement. Deux armes spirituelles par lesquelles tu auras la victoire sur cet esprit-là. Si tu n'as pas suivi l'intro de la prédication, après, tu peux reprendre, n'est-ce pas, le message pour voir l'intro. J'ai dit que Goliath vient pour effrayer, mais ce n'est pas un combattant. Si tu peux l'affronter, cette voix qui te dit que toi, tu ne peux pas passer tel concours, tu ne peux pas réussir à telle chose, tu ne peux pas faire tel business, tu ne peux pas travailler dans telle entreprise, alors que tu as les aptitudes, cette voix-là, si tu l'affrontes, tu peux la vaincre. Maintenant, comment vaincre Goliath? Parce qu'il vient armé, il vient pour combattre tes pensées. Il vient pour combattre tes pensées, combattre tes décisions, combattre tes résolutions, combattre, n'est-ce pas, ta volonté. Il vient pour te casser. Comment tu vas le vaincre? Numéro 1. Comment vaincre Goliath? Numéro 1. Pour vaincre Goliath, il faut avoir du courage. Ça, c'est numéro 1. Tu as besoin de courage pour vaincre Goliath. Yes! Parce que ce que la peur produit, c'est que la peur décourage, en fait. Quelqu'un est Yamagadebala, c'est Brentu, Kalabarende, Kalusa, Katabra, Kotabarenti, Kilikatoska, Akula, Karabatoskete. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Malabante. Ce que la peur fait, c'est de t'emmener à te décourager. Regardez 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Verset 31 à 32. La Bible dit, lorsqu'on eut entendu les paroles que David avait dites, on l'emmena devant Saül. Et quand David est arrivé devant Saül, voici ce que David a dit. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec. Que personne ne se décourage. La peur, en fait, le diable vient pour tuer ton courage. Pour vaincre Goliath, tu as besoin de courage, frère. Tu as besoin d'être courageux. Et la force est toujours liée au courage. Ok, écoute ceci. En Josué chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible déclare que lorsque Rahab, Josué 2, verset 9 à 11, lorsque Rahab, la prostituée, a hébergé les espions que, comment ça s'appelle, Josué avait envoyé pour explorer Jéricho, Rahab a dit, avant qu'il ne se couche, la Bible dit que Rahab est venu dire aux espions que nous avons entendu comment Dieu a mis à sec la mer devant vous. Et nous avons aussi entendu comment vous avez traité les deux rois amoréens, Sion et Og. Et nous avons perdu courage devant vous, Ayamakate. Ça veut dire que Jéricho avait déjà été vaincu avant même que Josué attaque Jéricho. Jéricho avait déjà été vaincu parce qu'ils avaient déjà perdu courage. Ils étaient découragés qu'ils ont entendu ce que l'Éternel a fait à la mer Rouge, aux Égyptiens et aux Amoréens, Og et Sion. Ils étaient découragés. Ils ont eu peur. Tu as besoin de courage pour affronter Goliath. Dans cette vie où nous sommes là, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas avoir la force de faire quelque chose. Et si tu n'as pas la force de faire quelque chose, les années vont passer sur toi et aucun de tes rêves ne se réalisera, quelles que soient les prophéties qui sont sur ta vie. Tu as besoin de courage. Ah, Seigneur, donne-moi du courage. Seigneur, donne-moi du courage. Seigneur, donne-moi du courage. Seigneur, donne-moi du courage. Je prends le courage, je reçois le courage au nom de Jésus. Tu as besoin de courage. Ok. Écoute ce que je vais te dire. En Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, Josué était le successeur de Moïse. En Josué chapitre 1, verset 6, Dieu s'adresse à Josué. Dieu, pas un homme, Dieu lui-même. Il s'adresse directement à Josué. Et en l'œuvre, Josué, met ton propre nom. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. Et voici ce que Dieu me dit. Et voici ce que Dieu te dit. Dieu dit à Josué, qui nous représente, toi et moi, il dit, fortifie-toi et prends courage, Ayakata. C'est Dieu lui-même qui dit ça à Josué. Ça veut dire quoi?
que quel que soit ce que Dieu est prêt à faire avec toi, tu as besoin d'avoir la force et du courage. Quel que soit ce que Dieu est prêt à faire avec toi, si tu n'as pas de courage, tu ne pourras pas foncer. Si tu n'as pas de courage, tu ne pourras pas foncer. Dieu lui-même dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et ça va t'étonner, ce que Dieu va te dire va te surprendre. Dieu a répété la même chose 3 fois à Josué. 3 fois. Il dit à Josué au verset 6, fortifie-toi, prends courage. Au verset 7, fortifie-toi, aie bon courage. Au verset 9, il répète encore la même chose. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. 3 fois, il a dit la même chose à Josué. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu est prêt à faire avec toi, frère, ce que Dieu est prêt à faire avec toi, tu as besoin de courage pour aller jusqu'au bout des résolutions que tu prends pour ta vie. Tu as besoin de courage pour affronter tes peurs. Tu as besoin de courage pour affronter tes frayeurs. Tu as besoin de courage pour affronter l'épouvante que Goliath libère sur toi. Tu as besoin de courage pour affronter Goliath. Et je te dis que si tu l'affrontes, tu vas le vaincre. Parce que Goliath n'est pas un combattant. C'est un prestidigitateur. C'est un impressionniste. C'est un trafiquant d'influence. C'est un plaisantin. Un seul combat, il a perdu contre quelqu'un qui n'était même pas un soldat. Un enfant, David. Un seul combat. Tu as besoin de courage pour affronter la vie. Pour être une bonne femme. Pour être un bon homme. Pour être un bon citoyen. Pour être un grand homme d'affaires. Un serviteur de Dieu de pointe. Pour être milliardaire. Pour être millionnaire. Pour réussir. Tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage. 3 fois il a dit ça à Josué. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, aie courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Cela est important. Yes. Déclare que tu reçois le courage. Déclare que Dieu te donne le courage. Dans n'importe quel domaine. Et puis remarquez très bien. Chaque fois, Dieu a dit à Josué, Josué 1:6, Josué 1:7, Josué 1:9. Chaque fois que Dieu a parlé de courage à Josué, il est accompagné de fortifie-toi. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit dans Philippiens? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Chaque fois, il dit, fortifie-toi et aie courage. Fortifie-toi et aie courage. Ça veut dire que le courage est lié à la force. La force dont tu as besoin pour prier là, c'est dans le courage. La force dont tu as besoin pour jeûner est dans le courage. La force dont tu as besoin pour pardonner, pour libérer ton cœur de toutes les charges et de tous les fardeaux est dans ton courage. La force dont tu as besoin pour changer le caractère, Dieu t'a déjà donné, mais c'est dans le courage. En Actes chapitre 28, verset 15, la Bible parle de Paul. La Bible dit au sujet de Paul que lorsque Paul les vit, il rendit grâce à Dieu et prit courage. Il venait de traverser des ténèbres et des tempêtes. Mais Actes 28, verset 15, la Bible dit que lorsque Paul les vit, il rendit grâce à Dieu. Quand ils sont arrivés à Rome, il rendit grâce à Dieu et prit courage. Tu as besoin de prendre courage pour te relancer. Un premier mariage a échoué. Tu veux te lancer dans un deuxième. Tu as besoin de courage. Ne sois pas découragé. Mais prends courage. Ok. Tu vas me demander, évangéliste, mais comment est-ce que je peux recevoir le courage? Où est-ce que je prends le courage? Actes 28, verset 15. Actes 28, verset 15. Où est-ce que je prends le courage? Comment recevoir le courage? Suis-moi bien. Je me suis préparé avant de venir m'asseoir devant toi. Donc Dieu répondra à toutes tes questions au nom de Jésus. Comment recevoir le courage? C'est simple. Josué chapitre 1, verset 6. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras rentrer ce peuple et le fera posséder le territoire que je lui ai promis. J'ai promis à ses pères de lui donner. C'est toi qui le fera rentrer en possession du territoire que j'ai promis. N'est-ce pas à ses pères de lui donner? Josué 1, verset 6. La première chose pour avoir du courage. Donc Josué chapitre 1, verset 6. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui feras rentrer ce peuple dans le territoire que je lui ai promis. Et tu lui feras prendre possession du pays que j'ai promis à ses pères de lui donner. Regarde-moi bien. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Première chose pour avoir du courage. Il faut que tu saches
que personne ne peut faire à ta place ce que toi tu dois faire. Pour avoir le courage, première chose, personne ne peut faire à ta place ce que toi tu dois faire. Dieu venait de dire à Josué, Josué insiste, que ce peuple-là, pour qu'ils puissent rentrer en possession du pays que je leur ai juré à leur père de leur donner, et pour laquelle la raison est pour laquelle je les ai fait sortir d'Égypte, je les ai fait traverser le désert, c'est toi que ce peuple-là attend pour posséder ce pays-là. Si tu refuses, personne ne va le faire. Donc la première chose pour que tu puisses prendre courage, c'est que tu dois mettre dans ta tête que nul ne prendra tes responsabilités à ta place. Celui que tu veux te révéler dans la prière, personne ne va prier à ta place. On peut prier pour toi, pour te soutenir, mais on ne peut pas prier à ta place. Dieu veut entendre ta propre voix. Goliath doit entendre ta propre voix à Kayada. Les démons doivent entendre ta propre voix. Satan doit entendre ta propre voix pour reculer, pour fuir. Personne ne prendra tes responsabilités à ta place. C'est la première chose que tu dois savoir pour prendre courage. Pour dire je me lèverai, je ne me laisserai pas faire. Personne ne prendra tes responsabilités à ta place. Personne ne va te marier, va se marier à ta place. Personne ne va gérer ton foyer à ta place. Personne ne va t'occuper de s'occuper de ton mari à ta place. Personne ne va s'occuper de ta femme à ta place. Personne ne va s'occuper de tes enfants à ta place. Personne ne préparera l'avenir de ta famille à ta place. C'est ta responsabilité. Mets ça dans ta tête. Personne ne va aller travailler pour te nourrir. Personne ne va se battre à ta place. Les gens peuvent te soutenir. Les gens peuvent souvent t'aider à te relever. Simon de Cyrène a aidé le Seigneur en portant sa croix. Mais Jésus avait commencé à porter la croix. Mais Simon de Cyrène n'a pas été crucifié à la place de Jésus. Parce que c'est Jésus qui devait être crucifié. Mets dans ta tête que personne ne prendra tes responsabilités à ta place. Personne ne fera à ta place ce que tu dois faire. Fais ce que tu as à faire. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Fais ce que tu as à faire. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Ta maison, c'est ta maison. Tes études, ce sont tes études. Demain, quand tu vas échouer, à force de réfléchir, d'hésiter, quand tu vas échouer, les mêmes à cause de qui tu as hésité se moqueront de toi. Mais quand tu réussiras, tu pourras t'asseoir à la tête des nations et manifester la gloire de ton Dieu. Quand tu seras milliardaire demain, par la grâce et la bénédiction, la faveur de Dieu, tu pourras t'asseoir à la tête des nations, discuter avec les grands, manifester la gloire de ton Dieu. David a regardé Goliath. Personne ne voulait prendre la responsabilité de l'affronter. Il dit, moi, 1 Samuel 17, 32, moi, j'irai me battre. David a compris que c'était sa responsabilité. Est-ce que tu sais pourquoi David a compris que c'était sa responsabilité? Parce que David avait été un roi en 1 Samuel 16, 13. Et le roi Saül qui était en fonction a reculé. En 1 Samuel 17, 11, il a reculé. Et le peuple était en danger face à cette incirconcis. David a compris que sa responsabilité de roi commençait ce jour-là. Il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Il a foncé, il a vaincu. Yes, je décide de prendre mes responsabilités. Je veux voir des personnes prier, des personnes parler. Prends tes responsabilités. Ne mets pas ton fardeau sur les épaules des autres. Ne compte pas sur les autres. Ne te déverse pas sur les autres. Les gens peuvent t'assister, les gens peuvent t'aider pour un temps. Mais c'est ta propre responsabilité. Ce que tu vas devenir demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Personne ne le fera à ta place. Même Dieu ne fera jamais à ta place ce que tu dois faire. Dieu ne va pas prier à ta place. La Bible dit en Romains 8, 28 que de même aussi l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il nous aide. L'Esprit nous aide. Le Saint-Esprit ne priera pas à ta place. Il ne va pas venir te réveiller, te soulever de ton lit. Il ne va pas payer ta dîme à ta place. Il ne va pas faire tes offrandes à ta place. Arrête d'être comme ces chrétiens qui disent, ah, c'est que Dieu va faire, Dieu a déjà fait, bats-toi pour entrer dans ce qu'il a fait. Ça, c'est numéro 1. Comment recevoir du courage? Au verset 7, Dieu dit à Josué,
Fortifie-toi et prends courage. Afin d'agir, fortifie-toi et bon courage, afin d'agir fidèlement. Regarde bien. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu comprends? Donc, le deuxième moyen par lequel tu peux recevoir du courage, c'est quoi? C'est d'obéir à la parole de Dieu. Fais ce que la Bible demande à un enfant de Dieu de faire. Ne vis pas comme un inconverti. Vis comme quelqu'un qui est converti. Obéis à la parole de Dieu. Sors du milieu des désobéissants et des têtus. La parole te donnera le courage qu'il faut. La parole te donnera la force qu'il faut. La parole te donnera la force qu'il faut. C'est le deuxième moyen par lequel tu peux avoir le courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en éloigne ni à gauche ni à droite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Obéis à la parole de Dieu. Obéis, il dit ce que Moïse t'a prescrit. Ce que je suis en train de prêcher. Si tu as le Saint-Esprit, tu sais que c'est bon. Obéis à ce que je suis en train de dire. Obéis à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu dit. Et tu verras si tu ne recevras pas la force. Tu verras si tu ne recevras pas la force. Goliath, je n'ai pas peur de toi. Je suis prêt à t'affronter. Donc, deuxièmement, obéis à la parole et tu recevras le courage nécessaire pour affronter tes peurs, les vaincre et posséder tes possessions. Troisièmement, comment recevoir le courage? Il dit à Josué au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La troisième clé qui t'ouvre, n'est-ce pas, l'accès au courage, c'est la présence de Dieu. Développe une amitié avec Dieu. Dieu fait en sorte que Dieu soit avec toi. La présence de Dieu fortifie Akayabade. La présence de Dieu. Tu as besoin que Dieu soit avec toi. Ésaïe 8, 10 dit, formez vos projets seront anéantis. Donnez vos ordres seront sans effet car Dieu est avec nous. En Jean 14, 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Au verset 17, il dit, l'esprit de vérité, que le Père enverra mon nom, il sera avec vous, en vous et sur vous. En Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, je ne vous laisse pas, en Matthieu 28, verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu, ça c'est le numéro 3, la présence de Dieu donne du courage. Développe une véritable amitié avec Dieu par la prière, par le jeûne, par l'étude de la parole, par l'obéissance à la parole. La présence de Dieu. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Et au verset 5, quand on lit, il dit à Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué 1, 5. Alléluia. Je reçois le courage aujourd'hui. Et je ne tremble plus. Je n'ai plus peur. Je déclare sur moi, je proclame sur moi que je suis courageux. Je suis courageux. Devant Goliath, devant mes peurs, devant les tremblements, je suis courageux. Je ne tremble plus. Je n'ai plus peur. Je suis courageux. Je suis courageux. Je suis courageux. Je fonce. J'affronte Goliath. Et je le terrasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayamagade Bragada Sakata. Si tu es dans cette prière, mets-moi le plus long. Amen. Deuxième A
arme, deuxième moyen par lequel tu peux vaincre Goliath. On va vite. Deuxième moyen par lequel tu peux vaincre Goliath. C'est que pour, je t'ai dit numéro un, pour vaincre Goliath, tu as besoin à Kabale Katabalata. Pour vaincre Goliath, Karabade. Pour vaincre Goliath, premièrement, je t'ai dit que tu as besoin de quoi? Du courage. Deuxièmement, tu as besoin d'avoir la foi. Pour vaincre Goliath, tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin de la foi. C'est par la foi que nous combattons. Regarde, David est parti combattre Goliath par la foi. Tout ce que David a déclaré, du verset 32, 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à verset 37, verset 45, verset 46, verset 47, c'était par la foi. David parlait par la foi. Tu as besoin de la foi pour affronter les peurs, les frayeurs qui sont devant toi, par rapport au projet, par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à tout ce que tu veux faire, tu as besoin de la foi. Sans la foi, tu ne pourras pas. C'est par la foi que David a tué Goliath. Il comptait sur Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 37 de 1 Samuel 17. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Par la foi. Tu as besoin de la foi. Au verset 45, David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je vais contre toi. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Et toi et toute l'armée des Philistins. C'est par la foi que David est parti tuer Goliath. Tu as besoin d'avoir la foi. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que nous ne marchons pas, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tu as besoin d'avoir la foi. En Marc 11, 22, Dieu dit, Jésus dit, ayez foi en Dieu. En Marc 2, 5, Jésus dit, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Tu as besoin d'avoir la foi. Dans ce monde-là, ce sont les hommes de foi, les femmes de foi qui triomphent. Je vais te montrer quelque chose. En Hébreux chapitre 11, quand tu prends Hébreux chapitre 11, verset 30, et puis Hébreux chapitre 11, verset 32, verset 33. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu as besoin d'avoir la foi. Regarde. Hébreux chapitre 11, verset 30. Regarde. C'est merveilleux ce que tu vas découvrir. Je t'ai dit que David a tué Goliath par la foi. Tu vas le voir. Hébreux chapitre 11, verset 30 d'abord. En ce qui concerne Josué, la Bible dit que c'est par la foi, Hébreux 11, 30, que c'est par la foi que la muraille de Jéricho est tombée. Que la muraille de Jéricho tombait après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Donc Josué a triomphé, n'est-ce pas, de Jéricho par quoi? Par la foi. Pourquoi Dieu a dit à Josué de ne pas avoir peur et de prendre courage? C'était pour ça. Mais après le courage, Josué a eu besoin d'avoir la foi. Josué a eu besoin d'avoir la foi. C'est pourquoi Hébreux 11, 30 te dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin de la foi pour vaincre dans ce monde. Les hommes aujourd'hui manquent de foi. C'est pourquoi ils vont voir les féticheurs. Ils vont voir les marabouts. Ils courent dans les sectes pernicieuses. D'autres se réfugient dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, parce qu'ils ne trouvent pas de solution. D'autres abandonnent, ils lâchent parce qu'ils n'ont pas la foi. Tu as besoin d'avoir de la foi. C'est par la foi que Jésus a ébranlé les murailles de Jéricho. Regarde le verset 32. Regarde verset 32. La Bible dit, et que dirais-je encore? Yes, je triomphe de Goliath par la foi. La Bible dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Jephthé. Le temps me manquerait pour parler de Barak. Le temps me manquerait pour parler de Samson. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Pour parler de David. Pour parler de Samuel. Verset 33 et des prophètes. Verset 33. Qui par la foi vainquit des royaumes, exercèrent la justice, obtint des promesses, fermèrent la gueule des lions. Donc, David a vaincu Goliath par quoi? Par la foi. Tu as besoin d'avoir la foi, frère. Tu as besoin de la foi. Yes! Que
Les problèmes, tu peux les terrasser. Les obstacles qui sont devant toi, tu peux les terrasser par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher en croyant en Dieu. En croyant que Dieu est avec moi. En croyant que Dieu accomplira pour moi ce qu'il m'a promis. Romains 4, 21. Au sujet de Abraham, la Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham croyait que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi il suivait Dieu. Marche par la foi. C'est par la foi que David a vaincu Goliath. Quand tu regardes Goliath, tu ne peux pas te battre contre lui. Mais David croyait. En Deutéronome 20, verset 1. Si vous allez en guerre contre vos ennemis et que vous voyez des chars, des chevaux, ne les craignez point car votre Dieu, ce qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec toi. Est avec, car ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. David croyait en cela. La foi naît de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Or, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu peux déclencher ta foi? Par un verset biblique. Par deux versets bibliques. Par trois versets bibliques. Par quatre versets bibliques. La foi ne se déclenche pas par l'imagination. Il ne suffit pas de confesser que je crois. Il ne suffit pas de confesser que je sais que Dieu est avec moi. Non, ça ce n'est pas la foi. Ça c'est la positivité. La foi, elle provient de la parole de Dieu. Il faut que tu déclares les Écritures. Ce sont les Écritures qui font naître la foi. Ce sont les Écritures qui l'amènent à l'existence. Qui la déclenche, qui la réveille en toi. Ce sont les Écritures qui le font. La foi provient de la parole. Elle provient de la parole. Elle provient de la parole. Elle provient de la parole. La foi ne vient pas parce que tu es positif. Non, tout le monde peut être positif dans ce monde. Mais tout le monde ne peut pas marcher par la foi. Mais pendant que tu me suis, je sais, je décrète que tu marches par la foi. Je marche par la foi au nom de Jésus. Deutéronome 20, verset 1. Je marche par la foi au nom de Jésus. Yes, frère. La foi vient de la parole de Dieu. Elle vient des Écritures. Elle vient des Écritures. Elle ne vient pas de la positivité. C'est pas parce que tu m'as dit, mon Dieu est avec moi, que quelque chose va se passer. Non, sur quoi est-ce que tu t'appuies pour dire que Dieu est avec toi? Déclare la parole de Dieu, c'est ça. Ce sont les versets qui font naître la foi. Dès que les Écritures sont engagées, la foi naît. Dès que les Écritures sont engagées, la foi naît. Jésus dit en Matthieu 26, je crois, verset 54, si j'ai bonne mémoire, verset 56. Jésus dit à Pierre, mais comment les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi s'accompliraient-elles? Ce sont les Écritures qui font le travail. Marcher par la foi, c'est marcher par la connaissance de la parole de Dieu. Quand on dit on marche par la foi, ça veut dire on sait ce que Dieu a dit. On sait ce qui est écrit. Ah, on a fini. Je suis en train de terminer le message. On sait ce que Dieu a dit. David, tout ce que David a dit devant Goliath là, c'est ce que Moïse avait dit que David répétait. C'est Deutéronome 20, verset 1. C'est ce que David répétait. C'est tout ce qui était dans la loi que David répétait. Et c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est l'écriture qui fait le travail. C'est l'écriture qui fait le travail. C'est l'écriture qui fait le travail. La Bible dit en Romains chapitre 9, verset 17, quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité afin de faire éclater, afin de montrer en toi ma puissance et de faire éclater ma gloire, pour que mon nom soit publié par toute la terre. L'Écriture parle à Pharaon. C'est l'Écriture qui a vaincu Pharaon en Égypte. L'Écriture. Marcher par la foi, c'est marcher par la connaissance de la parole de Dieu. Donc si tu veux que la foi se déclenche, ce sont les Écritures que tu dois réciter. Ce sont les Écritures que tu dois réciter. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Et je prie, Goliath, non seulement tu ne me fais pas peur, mais tout ce que tu m'as pris, aujourd'hui je l'ai récupéré et tu ne le reprendras plus jamais. Goliath, tu es mort dans ma vie. Goliath, tu es mort dans mes pensées. Goliath, tu es mort dans mes raisonnements. Goliath, tu es mort dans mon cœur. Goliath, tu es mort dans mon entourage. Tu ne te réveilleras plus jamais.
L'effet de tes paroles à mes oreilles est détruit totalement. Cela est réduit à néant. Tu ne pourras plus rien faire contre moi. Parce que mon Dieu est avec moi. Il me donne le courage et je comprends tes faiblesses. Je t'affronterai chaque fois que j'aurai des projets et que tu me feras croire qu'ils sont trop grands pour moi. Je foncerai et Dieu réalisera ses projets. À partir d'aujourd'hui, je marche par la foi. Je marche comme un conquérant, appuyé sur la parole de Dieu. Et Dieu se glorifiera dans ma vie. Goliath, tu ne me fais pas peur. Et toutes tes ramifications ne me font pas peur. Et tout ton système ne me fait pas peur. Je déclare, je décrète que je suis béni. Je serai un milliardaire, le premier milliardaire de ma famille. Là où mon père s'est arrêté, je ne m'arrêterai pas là-bas. Ce qui a vaincu ma mère ne me vaincra pas. Ce qui a vaincu les autres membres de ma famille ne me vaincra pas. Là où tu avais réussi hier, Goliath, aujourd'hui, tu échoues totalement parce que tu es tombé. Tu ne me fais pas peur. Je t'affronte et je te détruis. Je décrète et je déclare et je possède dans moi-même que je n'ai plus jamais peur. Je ne marche plus par la crainte. Je ne marche plus par l'épouvante. Je ne marche plus par la frayeur. Mais je marche maintenant dans le courage et par la foi en mon Dieu. Et Dieu accomplira ce qu'il a promis pour moi. Et mes yeux le verront s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu peux mettre son nom. Je prierai et le Seigneur se glorifiera. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui guérit, Exode 15, 26, tu dis, je ne te frapperai, donc si tu obéis à ma voix, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En Somme 107, 20, tu dis, il envoya sa parole et les guérit. Seigneur, en Jérémie 33, verset 6, tu dis, je leur donnerai la santé, je les guérirai, je leur donnerai la guérison. Seigneur, je prie et j'exerce la domination sur toute maladie, sur l'ulcère, sur le cancer, sur le coronavirus, sur le COVID-19, pareil. J'exerce la domination sur l'asthme, sur les trompes bouchées, sur les maladies de cœur, sur le VIH, sur les kystes ovariens. J'exerce la domination sur la cirrhose de foie. J'exerce la domination sur la cécité, sur le mutisme, sur la surdité, sur la paralysie partielle ou la paralysie totale. J'exerce la domination sur les maladies qui sont dans les os. J'exerce la domination, Seigneur, sur les cancers de peau. Et je déclare, sortez maintenant. Partez, partez, partez. Je chasse toute maladie présente dans la vie de tes enfants. Que quelqu'un regarde en direct ou en différé. Ta guérison agit maintenant. Ta guérison agit maintenant. Que ce soit la fièvre, que ce soit le paludisme, sors maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Que ce soit un envoûtement, un empoisonnement, va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la guérison de quiconque ne peut pas marcher. Lève-toi et marche. Quiconque est couché à cause de la maladie, lève-toi car Jésus te guérit. Quiconque n'arrive pas à entendre, tes oreilles s'ouvrent. Quelqu'un n'arrive pas à parler, sa langue est déliée, il parle. Quelqu'un n'arrive pas à voir, ses yeux sont guéris, il voit clairement. Quelle que soit la maladie, quelqu'un est malade dans son sang, tu es guéri maintenant. Tu as une main qui ne fonctionne pas, ta main est guérie. Tu as un pied qui ne fonctionne pas, ton pied est guéri. Tu as des douleurs dans le ventre, tu es guéri. Tu as la gastro, tu es guéri. Quel que soit ce qui est dans ton corps, tu as des vers, tu as une maladie de cœur, une maladie de poumon, une maladie dans ton estomac, dans ton pancréas. Quelle que soit une maladie dans ta gorge, tu as la tuberculose, tu as quelque maladie que ce soit. Tu es guéri maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et le nom de la personne que tu as mis, qui est malade, elle est guérie aussi, maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Si tu as écouté ce message, tu dis, évangéliste, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux marcher avec Dieu. Je veux me donner au Seigneur. Je veux me réconcilier avec le Seigneur. Répète après moi cette prière. Père Saint, je te rends grâce
Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface-le du livre des morts. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras pas en arrière. Tu seras toujours à la tête. Tu ne seras pas à la queue. Dieu te placera en haut. Tu ne seras pas en bas. Tu ne rétrograderas pas. La grâce de Dieu te suffit au nom de Jésus. Amen. Tu as mon numéro sur ton écran pour les témoignages et aussi pour les besoins de prière. Le numéro est là pour les témoignages et aussi pour les besoins de prière. Dieu te bénisse abondamment. J'espère que tu étais béni dans ce temps et que le Seigneur t'a visité et t'a fait du bien. Que son nom seul soit glorifié, nous nous sommes reconnaissants. Juste le temps de passer deux annonces, comme notre frère a déjà dit. Demain, nous avons un groupe de prière sur Skype. Amen. Nous avons un groupe de prière sur Skype. Donc demain, nous avons la prière, demain mercredi, de 21h à 22h. 21h, heure de Paris, 19h, n'est-ce pas, GMT. Donc si tu veux nous rejoindre pour la prière, si tu as le lien, Romain, mets le lien s'il te plaît. Si tu veux nous rejoindre pour la prière dans le groupe Skype, n'hésite pas, télécharge Skype, installe-le sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Et puis tu cliques sur le lien qui certainement sera mis, amen, qui sera mis en commentaire. Qui sera mis en commentaire, tu cliques sur le lien. Sinon, tu m'écris inbox sur WhatsApp ou sur Telegram ou même en inbox sur ma page. Et puis, je te donnerai le lien. Tu nous rejoins. Ne néglige pas ce qui peut t'aider. Viens, on va prier ensemble et Dieu va développer ta vie spirituelle au travers de la prière. Donc, c'est tous les mercredis que nous prions de 21h à 22h sur Skype. Rejoins-nous pour la prière au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Si c'est la première fois que tu suis ce direct, que tu n'as pas encore aimé la page, tu n'as pas encore abonné, tu n'as pas encore activé les notifications, aime la page, abonne-toi et surtout active les notifications pour recevoir une notification quand je suis en direct ou quand je fais un post, quand je déclare quelque chose, pour que tu puisses être béni au travers de ce ministère aussi au nom de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous restons en contact pour la semaine. Nous avons encore des activités qui nous attendent jusqu'à dimanche. Nous sommes encore ensemble pour des directs. Voilà, le lien Skype est là. Vous pouvez rejoindre le groupe Skype par ce lien qui vient d'être mis en commentaire. Donc, Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications. Invitez aussi d'autres personnes, partagez la page afin que Dieu nous bénisse abondamment tous ensemble au nom de Jésus. On prie pour la fin et nous avons terminé. Répète après moi cette prière. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Donc, n'oubliez pas le groupe de prière sur Skype. Demain à 21h. Le lien est là en commentaire. Rejoignez-nous pour qu'on puisse prier de 21h à 22h. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Dieu vous bénisse tous. Bonne fin de soirée. Dieu vous garde. On est ensemble en semaine encore pour d'autres directs et d'autres messages. Ciao!